Donne-moi des conseils. Moi, je suis mon enfant. Village de Ténac, je pourrais m'y ravitailler. Laissez cette machine. La bataille finale contre Regala est imminente. Bienvenue. J'ai pas besoin d'un chaplain. Si on n'obtient pas ses cœurs, on n'aura pas d'eau. Et tout le monde mourra. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne aux enclos. Je vais abattre ces machines moi-même. C'était des machines? Une orientale à la chevelure de sang. L'étrangère qui a détruit le rempart. Tu as battu Regala, en plus de tuer son champion Gruda. Ils étaient de notre clan. Je m'appelle Aloy et je ne suis pas venu chercher les embrouilles. En ce moment, je ne dirai pas non à quelques embrouilles. Là dehors, il y a un grand troupeau qui nous fait vivre. On récupère le cœur des machines, on les envoie à la capitale et on est payé en eau. C'est de plus en plus dur. Des machines tueuses sont arrivées pour défendre la Horde. La dernière nous a attaqués alors qu'on isolait une proie. Elle a failli nous tuer. Mais nos proies sont toujours dans l'enclos. Donc, si on arrive à récupérer leur cœur, on les échangera contre l'eau qu'il nous faut. Si tu vas là-bas tout seul, tu risques de te faire tuer, Draka. Je n'y vais pas tout seul, Chaplain. La grande tueuse de champions va m'accompagner. Tu veux bien répondre à quelques questions avant ? Tu as dit que la capitale vous donnait de l'eau. Ils nous donnent rien. On paye notre eau avec des pièces de machine. Les cœurs sont les plus rentables. Tous les villages du désert ont des ressources à échanger. Mais la capitale Lance Ardente est la seule à être continuellement alimentée en eau. Dans cette région aride, ça signifie qu'ils tiennent la vie de tous les autres entre leurs mains. C'est la coutume du désert. Sans elle, pas de survie. Oui. J'ai l'impression que tu n'apprécies pas ta commandante. Pour survivre dans le désert, il faut faire preuve de discipline, plus que les autres clans qui... Elle aime particulièrement les règles et l'ordre. Ce n'est pas ton cas. Pas si ça vient d'elle. C'est de l'insubordination. Je dois être déshydraté. Tu peux m'en dire plus sur ce troupeau? Il est là depuis des années. On y prélève des pièces qu'il nous faut, ni plus ni moins. De nouvelles machines viennent remplacer celles qui sont tuées. Et ces machines tueuses dont tu parlais? Elles protègent la Horde. Plus on en abat, plus il y en a. D'abord des dentiers, puis des ravageurs. Et maintenant, il y a un foutu gueule d'orage. Il nous a attaqués quand on amenait les machines dans les enclos. J'ai dû lâcher la moitié de mes chasseurs pour le combattre. Les seuls survivants sont ceux que tu vois ici. Alors tu es chaplain, comme Deka. Tu connais Deka?
Je me souviens qu'il fallait se méfier de sa lame quand j'avais une escouade. Elle conseille maintenant les Ténacs de la plaine, et moi, le clan du désert. Ceux qui atteignent mon âge doivent dispenser leur sagesse aux plus jeunes. Je les guide sur la voie du guerrier lorsque leur entêtement les empêche de la suivre. Tu n'es pas fâché que j'aie affronté Regala ? Le désert respecte la force. Moi, je suis son exemple. Mais ne t'attends pas à ce que ses derniers partisans fassent de même. Je vais essayer de t'aider à abattre les machines isolées. Il vaut mieux que tu n'y ailles pas seul. J'ai l'impression que ton village a besoin de toi. Elle me plaît. Une étrangère comme je les aime. Soit on part tout de suite, soit je te rejoins à notre avant-poste au sud-est. Je viens avec toi. Très bien. On part pour le canyon du sud-est. Alors que les Dix vous protègent, je vous attendrai et préviendrai la capitale. Si tu veux. Par là. Plus vite on récupérera ces cœurs de machine, plus vite on aura bien entendu dire que le combat ne s'arrête pas là. Marche la tête haute. Une étrangère nous offre l'aide que notre propre clan nous refuse. Et Jetaka a le culot de me dire que la commandante a de bonnes raisons de nous rationner en eau. Pitié. Et toi, tu n'es pas d'accord? Eh bien, elle répète sans arrêt que l'eau est un bien précieux dans le désert. Mais tu crois vraiment que les gens de Lance Ardente meurent de soif? Ou ceux de son escouade? Non. Je suis sûr qu'ils se servent dès qu'ils en ont envie. Un chef de clan devrait savoir ce que c'est de lutter pour survivre. Essayez chaque jour de tenir jusqu'au soir. Je suppose que ce quelqu'un, c'est toi? J'ai vécu toute ma vie à la frontière du désert. Je me suis battu pour chaque gorgée d'eau que j'ai vue. Je sais que je suis un meilleur guerrier. Et j'ai plus de charme. Je m'assurerai que chaque... quel que soit son village d'origine. Je suis sûr que je pourrais y remédier. Il y a toujours une solution. Ouais, c'est une belle façon de voir les choses. Nous y voilà. On va avoir besoin de munitions. Suis-moi. Ne fais pas attention au désordre. Nos soldats viennent ici pour se préparer avant de rassembler les machines dans le canyon. Tu peux prendre tout l'équipement que tu veux. Pour le combat qui nous attend. Merci. Et voilà. Allons-y. Alors, est-ce qu'une Nora peut bien chercher dans l'ouest de Freyde? Qui te dit que je cherche quelque chose? Je pourrais lui envoyer que tu sois venu pour profiter du paysage. J'essaie de régler un problème. Ah bien, je peux garder tes secrets. Tu devrais déjà être content que mes problèmes soient dignes d'intérêt. Discutons un peu avant de partir. Je t'aiderai à récupérer ces cœurs si grâce à ça ton peuple a de l'eau. Ce sera le cas.
C'est le canyon où on attire les machines. On les coince dedans, puis on les abat. Alors, il faut escalader la barricade pour entrer. Quand on y sera, il faudra se battre. J'y ai perdu trop de guerriers. J'ai hâte de voir la tueuse de champions en action. Vas-y, je te suis. Garde tous les cœurs, je te les prendrai plus tard. Utiliser de l'acide contre. Thank you.
occuper des morts et rapporter leurs plaques à leur famille. Tu peux m'aider à récupérer les cœurs de machines ? Je fais des réserves pour la chasse. Tu as récupéré les pièces de machine ? Pas encore. On a toutes les pièces. Je devrais les apporter à Draka. Je dois me tenir prête. Ah. Que les ailes d'Edis te ramènent chez... Toi, mon frère. C'est bon, j'ai les cœurs. On devrait rentrer à Flèchemin. Oui, on va pouvoir organiser leurs funérailles. Et attends ! Puisqu'un groupe de machines en colère ne te pose aucun problème, retournons là où ce gueule d'orage nous a attaqués. J'ai perdu tellement de guerriers là-bas. Je ne peux pas les abandonner. Ils méritent de recevoir les honneurs. Tu viens avec moi ? Passe devant. Je suis ravi que tu sois là. Quand je pense que tous ces gens sont morts pour avoir de l'eau. Tu as essayé de parler à ta commandante, à Lance Ardente ? Oh, la seule chose qu'elle écoute, c'est le bruit d'un arc que l'on bande. À ce propos, j'aimerais bien avoir le tien à mes côtés si on en arrive là. Je ne fais que passer, Draka. Fallait bien que j'essaie. Tu ne viens pas ? Je savais que tu reviendrais. On ne peut pas abandonner ces soldats. Je vais t'attendre ici, alors. On y est. C'est là que le Goldorage a décimé mon escouade. Je suis désolée, Draka. Ils ont fini leur vie en guerrier. Mettons-nous au travail. Voilà. Quelqu'un a survécu, près des rochers. Attention au sol! Reprends-toi, soldat! Tunnelier! À l'attaque! Elle abandonnera pas!
Le col d'orage est de retour. Ça va devenir compliqué. Elle est vulnérable à l'acide. Ça suffira. Je dois aller voir Draka, le soldat. Thank you.
peu d'autres... Je pensais pas m'en sortir. Tu t'es bien battu, soldat. Tu vas rentrer chez toi. Oui, grâce à elle. C'est toi qui as refusé d'abandonner tes camarades. Je sais que j'en demande beaucoup, mais... Tu peux rapporter ces cœurs à Flèchemin ? On se retrouve là-bas. Bien sûr. Soyez prudents. Grâce à ce cœur de gueule d'orage, on aura toute l'eau qu'il nous faut. Merci, Aloy. Te revoilà. Où se trouve Draka ? J'ai pris du retard, Chaplain. J'ai récupéré des bagages sur le retour. Elle a les cœurs des machines, dont celui du gueule d'orage. Tu aurais dû voir cette flamme à l'œuvre. Tiens, un petit souvenir de notre victoire héroïque. Sacrée victoire. La commandante sera ravie de la prendre. Apporte-les à Lance Ardente aussi vite que possible. Et dis à la commandante combien sont morts pour les avoir. Chasseuse, je peux te parler ? On m'a dit ce que tu as fait au bosquet. On raconte qu'en plus de ton arc et de ta lance, tu as une sorte de troisième œil, en particulier pour tout ce qui a trait aux anciens. On peut dire ça comme ça. C'est donc vrai. Tu as rendu service à mon clan. Mais nos problèmes ne se régleront pas aussi facilement que le croit Draka. Je crois que ton troisième œil pourrait nous venir en aide. Quel est le problème exactement ? Pas ici. Retrouve-moi à Lance Ardente. Je t'expliquerai tout. Je t'y rejoindrai dès que possible. Bien. La survie du clan tout entier pourrait en dépendre. J'ai demandé au chaplain comment il voulait sur leur dans la tête. Est-ce qu'ils avaient appris votre chemin ? Je suis mort, ça me fera une ticket. Se préparer pour les terres sauvages. Leur machine était différente de... C'est ce que je vends. Je ne pas revenir. Tu es sûr de n'avoir besoin. Qu'est-ce que je donnerais pas ? Étrangère, il y a besoin d'eau.
te voir. J'ai entendu dire que Océram est venu. Vous avez sauvé au moins. C'est où trouver. Et des ascenseurs géants de méridien si on prend ce genre de choses. Et alors ? Imagine de quoi d'autre il serait capable. Il te faut quelque chose aujourd'hui ? Bienvenue. C'est un tel gâchis. Bien le bonjour. Thank you.
J'aimerais bien. C'était un honneur. J'aurais gagné tellement d'influence. Je crois que c'est super être bien fait. Toi. Attends le bon moment pour t'en servir. Mais elle est repartie là. Il y a un frappe défense avec une figure rebelle dessus. Non. Les remèdes s'attirent dans le bureau. Les rebelles se déplacent. Régalard va s'attaquer au bosquet.
et des défenseurs au bosquet. Que bon. Des Ma lame est au service. Nous marcherons avec fierté.